il est dans son rôle, comme toujours, d'essayer de faire peser sur le débat politique des choses afin que notre pays n'avance pas. Moi, je trouve ça finalement à la fois désolant, mais comme une forme d'hommage du vice à la vertu. Ils ont peur, voilà. Ils ont peur, c'est d'ailleurs assez incroyable. Ce torrent d'attaques que nous subissons, c'est sans doute la confirmation que nous sommes dans la bonne voie pour créer les conditions que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour le 23 avril. Moi, je le prends finalement, pardon de le dire comme ça, mais de manière assez positive. S'ils sont autant à se mettre en marche pour essayer de nous bloquer, c'est sans aucun doute que nous progressons d'une manière inattendue et que la possibilité que nous soyons une fois de plus au second tour est désormais quelque chose qui fait peur à ceux qui sont les défenseurs de l'ordre établi. Donc...